Devant nous, nous avons deux fromages de création. On cherchait avec mes frères comment associer la culture japonaise et la culture de Lorraine, de Nancy. Et la meilleure des façons pour nous, c'était de la faire à travers le fromage. Et c'est comme ça que nous avons eu cette idée de mélanger à la fois le chèvre frais et le wasabi. Toute la performance était de faire rentrer le wasabi un petit peu à la manière d'un morbier. Vous voyez, on voit bien cette trace de wasabi. Donc ça se situe au niveau du cahier. Ce fromage, vous allez avoir à la fois d'un côté la fraîcheur et la finesse du fromage de chèvre et de l'autre la force du wasabi. C'est un juste équilibre. C'est une association de deux goûts totalement différents et qui sont totalement opposés. C'est parfait, ni trop fort ni trop doux. Superbe association. Le second fromage est toujours un chèvre à la bergamote, qui est très très délicat bien sûr. La bergamote, c'est un petit fruit que l'on trouve essentiellement d'ailleurs en Israël, qui ressemble un petit peu à un citron, et ça donne quelque chose d'un petit peu acidulé, un petit peu sucré, et tous les arômes du fruit qui se développent après, pas au départ quand on le déguste, c'est juste après au niveau du palais, de la gorge, on sent ces arômes de fruits. C'est très intéressant à voir.